Eh bien, bonjour mes petits boys, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Mais avant de commencer, vraiment désolé pour mon look. Regardez-moi, je suis un pingouin, oui. Ah, ma pingouin. Mais désolé les amis, en plus regardez mon bébé pingouin là, je sais même pas ce qu'il fait. H24, il est là, gauche, droite, il est immobile, il fait rien, il doit faire gauche, droite, il est trop drôle. En plus regardez, il ouvre sa bouche. Vraiment c'est trop bizarre. Donc les amis, notez mon look sur 10, moi personnellement je l'adore. Donc voilà, avant de parler de la vidéo, en fait on va parler aujourd'hui des pets qui vont arriver, des maisons qui vont arriver, etc. Aussi je vais vous dire pourquoi je suis un peu énervée de cette mise à jour. Je vais vous dire ça juste après, mais avant de commencer, on va directement passer aux commentaires du jour. Donc c'est Ayam Taïsa qui nous dit: j'adore tes vidéos, continue comme ça. Et est-ce que tu peux montrer ta tête dans tes vidéos? En fait l'affaire les amis, c'est que je peux pas montrer ma tête dans les vidéos. Par contre je les montre en live. Donc voilà, si tu veux voir ma tête, bah viens en live. Je fais des lives samedi et dimanche, parfois mercredi. Donc voilà, tu peux venir quand tu veux. Donc les amis, en plus c'est trop drôle. On parle ensemble, on joue ensemble et on fait quelques concours. Donc voilà, c'est cool les amis. Sur ce, let's go, c'est parti. On va directement commencer la vidéo. Ok les amis, alors là je vais vous dire pourquoi je suis un peu énervée contre Adopt Me. Alors c'est tout simple, c'est parce que la mise à jour qui va sortir le 2 avril, où il y aura le nouveau pet qui est le Paon, va encore coûter des Robux. Alors là je vous dis, j'en ai un peu marre que les pets coûtent des Robux. Ça fait quand même beaucoup de pets qui coûtent des Robux les amis. Le Guardian Lion qui est le dernier, il y a eu le Robodog, le Cerberus, le Frost Fury, les amis, là ça fait beaucoup. Et toutes les pets que je vous ai citées maintenant, à part le Frost Fury, ne valent quasiment plus rien. En plus, vraiment, les prix sont exagérés. Regardez-moi ça, je vais vous montrer. Le Guardian Lion, 500 Robux. Le Robodog, 600 Robux. Le Cerberus, 500 Robux. Les amis, là ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, à mon avis, il faudrait que Adopt Me sorte des mises à jour, à part avec des pets Robux. Je sais qu'ils ont besoin d'argent pour travailler, etc., etc. Mais là, je pense que ça fait beaucoup. De voilà, dites-moi votre avis en commentaire. Mais on est tous d'accord que le Paon qui va sortir est juste magnifique. Il est trop beau. De voilà, je vais vous en faire gagner si vous n'avez pas de Robux. Je sais que tout le monde n'a pas de Robux. Et je me plains pour vous, les amis. Car moi, je peux me l'acheter. Je peux me permettre de l'acheter. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas. Donc, c'est pour ça, les amis, que je vais vous en faire gagner. De voilà, pour participer, ça sera très simple. Faudra juste être abonné avec la cloche des notifications. Donc la notification servira à ne pas rater la vidéo où je veux dire le gagnant. Il faut liker la vidéo, écrire son pseudo dans les commentaires et dites moi si vous êtes d'accord avec moi. Mais attendez les amis, car dans la mise à jour il n'y a pas que le pet, il y a aussi d'autres trucs. Et ça c'est plus amusant pour nous, car il y aura une maison. Et oui, enfin une nouvelle maison. Bon je dis enfin parce que la maison de la Lunar Hawk, je l'ai pas trouvé magnifique, je vais pas vous mentir. Genre la maison de la Lunar Update, je vous dis, je l'ai pas trouvé magnifique. Par contre cette maison là, c'est genre un bunker, là je vous montre des images. Elle est juste magnifique à mon avis, c'est mon avis. Dites moi qu'est-ce que vous préférez vous entre cette maison, la nouvelle qui va sortir, ou sinon la Lunar Update House. Donc dites moi tout ça dans les commentaires les amis. Alors là celle là je la trouve magnifique, en plus il y a de nouveaux objets qu'on pourra mettre dans les maisons. C'est un peu rétro et tout, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça trop magnifique les amis. Donc là je suis content, je vais pas vous mentir. Aussi là ce que j'aimerais qui arrive sur Adopt Me, c'est vraiment les eggs. Je crois qu'on attend tous les œufs, les Ocean Eggs les amis sur Adopt Me, on les attend tous. Donc j'aimerais vraiment qu'ils viennent, ça serait juste trop cool. Et voilà, vraiment là j'attends la mise à jour avec impatience. J'espère que le Paon va pas coûter cher, j'espère que le Paon va valoir cher. Donc voilà, on va voir tout ça les amis. Je vais essayer de l'acheter directement. Donc voilà, dites-moi si vous voulez une vidéo où je l'achète. Je vais voir. Je sais pas si je vais l'acheter pour moi, mais en tout cas c'est sûr je vais l'acheter pour vous. Donc voilà les amis. Alors là aussi je voulais parler des maisons. Alors là les maisons, en fait ce que j'aime sur les maisons, c'est qu'en fait c'est tout le monde qui pourra l'acheter. Donc je crois que ça coûtera quelques bucks.
Par contre, si c'est une maison Robux, là, je comprends plus rien, les amis. Si c'est une maison Robux, je comprends plus rien. J'espère vraiment que c'est pas une maison Robux. Parce que si c'est une maison Robux, les amis, je vous le dis, je vais péter un câble. Parce que là, c'est abusé. Donc, voilà, je sais, les amis, qu'ils ont besoin d'argent et tout. Mais voilà, là, ça fait beaucoup. Je l'ai dit beaucoup de fois. Mais là, ça fait beaucoup, les amis. Ok, sur ce, les amis, on se retrouve pour la prochaine chose que je voulais parler dans cette vidéo. Ok les boss, la deuxième chose que je voulais parler dans cette vidéo, c'est Brookhaven et Adopt Me. Alors là, il faut savoir que Adopt Me perd énormément, mais énormément de joueurs à cause de Brookhaven, bien sûr, parce que Brookhaven, il est en train d'exploser en ce moment, c'est vraiment juste incroyable. On est d'accord, c'est quand même un bon jeu, mais j'ai trop peur que Adopt Me perde tous ses joueurs, vraiment, ça serait très dommage. Donc c'est pour ça que Adopt Me, là, il doit faire quelque chose. Soit ils doivent sortir une mise à jour de malade qui va refaire revenir tous les joueurs, ou sinon je sens qu'ils vont tout perdre, les amis. Donc voilà, j'espère qu'ils ont un plan. Dites-moi si vous voulez des vidéos RP avec ma petite sœur Sana où on joue à Brookhaven, où on fait des petits RP sympathiques. Dites-moi si vous voulez ça. De voilà, les amis. Alors là, je sais vraiment pas si vous voulez que je fasse des vidéos Brookhaven. Je sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Peut-être que je ferai un sondage dans la partie communauté. De voilà, les amis. Alors c'est ça. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment trop peur. Et aussi la mise à jour des cadeaux qui a déjà été oubliée. Je sais que ce petit carton là il est mignon et tout, mais l'affaire, je pense que c'est pas ce qui va refaire revenir tous les joueurs qui sont sur Brookhaven. Je suis sûr et certain que ça sera pas ça. Donc déjà les maisons, c'est bien qu'ils les ajoutent, comme ça les joueurs vont revenir un peu acheter la maison, tester un peu la maison, ce serait un peu cool. Donc voilà, mais sérieusement, je trouve que Adopt Me là, je sais pas comment dire, mais on dirait qu'ils s'en foutent un peu d'Adopt Me. Genre, je sais, ils sortent beaucoup de mises à jour, mais l'affaire, c'est pas des mises à jour que les joueurs attendent. Nous, ce qu'on attend, les amis, c'est les fossiles, les nouveaux eggs. On en a vraiment marre des fossiles eggs. Les T-Rex, on les veut plus, nous, les T-Rex, les amis. Nous, on veut les Ocean Eggs. Et eux, ce qu'ils font, ils arrêtent pas de sortir d'autres mises à jour, alors que nous, on demande que une mise à jour, celle des œufs. Donc voilà, je trouve que voilà, c'est un peu de la perte de temps, j'ai envie de dire que... Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà. Je sais pas si vous me comprenez, les amis. Dites-moi si vous êtes pas d'accord avec moi et pourquoi vous êtes pas d'accord. Ce serait vraiment trop trop cool. Donc voilà. Voilà les amis, c'est un peu tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez mettre votre petit pouce bleu, vous abonner si c'est pas encore fait. Sur ce les amis, inquiétez-vous pas, il y aura d'autres vidéos avec ma petite sœur Sana où je vais la prank. Bon, je sais pas, j'ai bégayé mais de fou. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos. Si vous voulez des RP, dites-le moi. Sur ce, ciao tout le monde. The newest addition to our pet shop is the peacock. Peacocks are natural performers. Your funky friend will show off its 9 beautiful feathers any chance it gets. That's not all. We've added a new house. You can now live in a sustainable container house. It comes with solar panels, string lights, and a garden on the roof. And to top it all off, we've also included a fancy new retro aquatic furniture set, because who doesn't love underwater creatures? The Retro Furniture and Peacock update launches on April 2nd at 8 a.m. Pacific, 11 a.m. Eastern and 4 p.m. BST. Search 4 p.m. BST local time to find out exactly what time that is for you.